What's your story? What's your sign? Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau weekly vlog, mais avant toute chose, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, parce que c'est important, parce que ça fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va! Yo YouTube, lundi 8 avril, il est 20h39, je te laisse tout de suite avec la toute petite séquence que j'ai tournée hier soir et puis un petit peu aujourd'hui, et je te reprends juste après. Yo YouTube, dimanche 7 avril, il est 22h48. Je sais, d'habitude je ne vlog jamais le dimanche soir, enfin en tout cas je ne commence pas le vlog le dimanche soir. J'ai pas une aussi sale tête que ce que tu peux voir, mais là c'est parce qu'il y a la lumière bleue. Et puis, bah oui, pas de make-up aujourd'hui, c'est dimanche, tu me laisses. J'avais envie de te prendre là maintenant, parce que je pense que je vais arrêter le vlog de cette semaine, peut-être jeudi ou vendredi. Et je vais tenter, tant que faire se peut, de le monter tous les soirs, pour que tu l'aies quand même là, maintenant. Voilà, en espérant que du coup, ce soit lundi. Comme d'habitude. Voilà, parce que si tu me suis sur Instagram, tu sais que et je t'invite d'ailleurs vraiment à me suivre sur Insta. Voilà, c'est tout. Le mec fait du suspense alors que tu sais très bien, vu que je te l'ai déjà dit plusieurs fois, insinué en tout cas, et puis sur Insta je l'ai dit, donc bref, on s'en fiche. Je suis très content parce qu'aujourd'hui j'ai fait plein de choses, comme tu as pu le voir dans le vlog de la semaine dernière. Enfin, plein de choses pour un dimanche, hein. Tu te calmes, ou d'habitude je fais rien à part le montage. Je me suis occupé de mon camélia sur le balcon, donc je lui ai mis le purin d'ortie, j'ai rajouté du terreau, j'ai aussi mis le bio bioculture, c'était quoi que j'ai acheté? Je me rappelle plus, bref, c'est sur le balcon. J'ai pas encore empoté. Phoebe, s'y présente. Paco, on le laisse tranquille, d'accord? Il est tout bébé, tout nouveau, on le laisse tranquille. Et, comment il s'appelle? Kitty Boy? Je suis pas très convaincu du nom, Kitty Boy. Je les ai pas encore empotés, je pense pas qu'on le fera dans ce vlog-là, mais dans le prochain. Mais en même temps, écoute, comme je t'ai dit la dernière fois, t'as un peu l'habitude du teasing avec moi, n'est-il pas? Coucou maman Beugeoise. Et je t'ai pas... Aïe. Mais elles sont chiantes ces bacs parce qu'en fait, elles prennent les poils de barbe. Épilation gratuite à domicile. Et du coup, t'as vu que la semaine dernière, je me suis acheté un jasmin chez Lidl. Oh, faut que je te montre Pierre en majuscule. Non, mais l'un de ces bébés, c'est un gratte-ciel, le truc. C'est l'Empire State Building, quoi. Et tu vois, là, je vois dans mon appareil que ça fait le focus ici. Sur, justement, Phoebe qui essaye de me voler la vedette. Qu'est-ce donc? On n'est pas d'accord. Bref, tu as vu que j'ai acheté un jasmin chez Lidl. Et je t'ai dit en plaisantant qu'on l'appellera Nicky Doll. Mais écoute, je vais l'appeler Nicky Doll. Voilà. Comme ça, je fais ce que je veux. Je te demande pas forcément ton avis. Parce que bon, hein, il faut avoir un petit peu de personnalité aussi des fois. Hein, sa propre personnalité. Et du coup, je l'avais mis. Et à la base, je l'avais mis ici la semaine dernière. Mais je sais pas s'il a vraiment assez de lumière en fait. Même si oui, c'est plus ou moins à côté. Mais comme on habite au premier étage, c'est vrai qu'il y a moins de luminosité que si on habitait au troisième, quatrième, etc. Donc il y a de la luminosité, mais pas tant que ça. Du coup, je l'ai mis ici, je te montre. Voilà, il a pris la place de ce que je viens de te montrer là-bas, le vase avec mon eucalyptus artificiel. Je l'ai mis sur la table du salon, comme ça. Et il est vraiment face à la lumière, quoi. Bon, là, tu te rendras pas compte. Je pense que je te le remonterai demain. Quand il fera jour, quoi. Parce que là, je pourrais allumer la lumière. Tu me diras, on a vraiment... Est-ce qu'on va ouvrir un vlog comme ça avec cette tête-là? Vraiment? Bref, on va voir. Je vais voir comment ça donne cette semaine. Et puis voilà. Je suis vraiment en train de me prendre une passion pour les plantes. Genre de ouf. Bon, tu vois rien, mais en fait, là, ici... C'est bébé. C'est un bébé d'une pierre en majuscule. Et puis les autres, les deux là... Et un là, ici. Cette séquence étant inintéressante au possible, étant donné que tu n'y vois rien et que ma batterie clignote là dans le coin, je te dis à tout de suite, hein, et pour la suite et la continuation de ce vlog qui promet encore une fois d'être d'une qualité et d'une intéressance exceptionnelle. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do.
I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody. Bien, c'est un petit peu fin du monde apocalyptique sous un ciel vraiment. Par contre, le monsieur, c'est la fin du monde, mais genre, il est parti aux Bahamas, quoi. On adore ou pas? Bon, là encore, il n'y a pas beaucoup, mais... C'est... Il y a eu... Ouais, effectivement, il y a bien eu ces trucs du Sahara, là. On n'est pas à l'abri que dans 2 minutes, il y a Angoon qui se réplique pour chanter. J'aimais trop cette chanson, d'ailleurs, Les neiges au Sahara. Je viens de passer à travers une toile d'araignée. Non, mais il y a une araignée qui a fait sa toile entre les deux voitures, là. Et je n'avais pas vu, donc je suis passé dedans. On n'est pas à l'abri non plus qu'à tout moment, elle soit sur moi et qu'elle débarque pendant que je suis en train de conduire. Et comment te dire que là, je suis très arachnophobe. Genre très, 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 très arachnophobe. Voilà. Il est temps de rentrer à la maison, YouTube, peut-être, non? C'était pas une journée ouf en termes de travail. C'était très long. J'ai pas eu beaucoup de clients, c'était très très long. Voilà, bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, mais moi j'aime bien quand même quand il y a des clients. Alors, des clients logiques, sympathiques, tu vois. Mais non, bof, j'espère que la semaine se continuera mieux qu'elle n'a commencé. Allez, on se retrouve à la maison. Nous sommes sur un petit apéritif. Écoute, j'avais envie de vin rouge, d'accord, tu me laisses. J'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je prends un gin ou pas? Mais non, du vin rouge, c'est très bien. Voilà, donc santé, hein, évidemment. Et nous allons ouvrir, enfin nous, je, en tout cas, vais ouvrir le jour, j'allais dire le jour 5, mais non, vu qu'on est le 8. Donc le jour 8 de mon calendrier de l'avant-anniversaire. Il se présente comme ceci, donc par rapport à la forme, je dirais avec joie que c'est quelque chose de Maison Bourgeon, qui est une de mes marques de thé et d'infusion made in France artisanale préférée. Je t'en parle très 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 souvent. D'ailleurs, bah, c'est moi qui ai fait découvrir cette marque que j'adore à beaucoup de monde. Je citerai Alexandre, je citerai ma Patricia, je citerai évidemment Marie, voilà, everybody. J'aime beaucoup trop cette marque. Et là, je cherche l'indice du jour en mode hydratation, donc du coup c'est du thé, voilà. Ça doit effectivement être ça, on va découvrir ça tout de suite. Si jamais, je te le redis, Maison Bourgeon, si vous passez par là et vous avez besoin de quelqu'un pour parler de vos produits, je le fais très très volontiers, vraiment, voilà. Si j'y pense, je te mettrai le lien du site en barre de description. Et puis si tu les contactes sur Instagram, dis que tu viens de ma part. Ah ben écoute, faut se faire connaître hein, quand même à un moment donné. Alors, c'est ça. Balade en Provence. Oh, je connais pas celui-là. Pêche et miel. Donc c'est un thé noir, c'est ça. Un thé noir. Voilà. Recette, thé noir et vert. Ah, c'est un mélange de thé, d'accord. Morceau de pêche, lavande, basilic, romarin et cartame. Oh, ça doit être très 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 flou. Absolument. Très flou, mais très intéressant. Oh ouais, oh oui. Ah, oh, je pense qu'il doit être vraiment sympa. Lui. On sent vraiment le côté un petit peu, je vais dire piquant, tu vois, du basilic. La douceur de la pêche, très sympa. Et en fait, je sais plus si je t'ai déjà montré. Il me semble que oui. Hein. Mais c'est donc du thé en vrac, tu vois, avec. Enfin, tu verras rien du tout. Donc ça fait un focus aléatoire, mais il y a vraiment les morceaux d'ingrédients à l'intérieur, quoi. En plus, évidemment, du thé en vrac. J'aime énormément cette marque, vraiment. Et alors celui-là, Balade en Provence, je ne connaissais pas du tout.
Donc, je t'en dirai des nouvelles quand je le goûterai. Voilà, dans un vlog, certainement. Hein. Pour l'heure, là, c'est balade en... C'est quoi? Ah non, c'est un vin chilien aujourd'hui, en Bourgogne. Non, pas du tout. C'est un vin chilien que j'ai ouvert. Donc, balade en Chili, au Chili, hein, voilà. And I do declare, je déclare ouvert ce vlog, du coup. Hein. Voilà, c'est une jolie séquence d'introduction. Bon voilà, je crois que c'est tout pour ce soir. Je te reprendrai un petit peu demain. Je suis pas sûr de te prendre beaucoup parce que du coup je vais tourner ma vidéo. Ah mais si, on va aller faire Non, à chaque fois elle, quand Elena regarde mes vidéos, elle dit mais pourquoi tu dis que je vais t'engueuler et tout. Non, elle m'engueule pas, mais c'est moi, j'ai honte d'arriver comme ça et tout. Surtout que là je pense que je vais avoir mal parce que mon petit doigt là, mon petit doigt me dit justement. Mais ouais, ça, ça a du mal à tenir, mais parce que je les ronge en fait. Voilà, j'ai recommencé fort à les ronger. Et bon, là, ça fait, je crois, 4 semaines. Et mon prochain rendez-vous, là, j'ai réduit à 3 semaines. Donc, normalement, la prochaine pause, elle devrait aller. Normalement. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Je réfléchis, j'ai la nuit pour réfléchir. Ah, et comme un teubé, je te l'ai dit ou pas, je sais plus. Demain, à 13h, j'ai rendez-vous pour... Oui, je crois que je te l'ai dit. Pour faire épiler mes sourcils. Et à 13h30 pour les ongles. Donc, c'est-à-dire que... C'est à deux endroits diamétralement opposés. Il faudra que je me bouge le cul. Voilà. Et pas que je sois en retard. Au sourcil. Sinon, ça me retarde tout le bordel. Allez, je te laisse pour ce soir YouTube. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu passes un beau début de semaine. Et je te fais des bisous. Absolument. Sinon, je ne suis pas bourré. Hein. Je tiens à le dire. Non, je suis un peu trop de bonne humeur. Mais je te jure que ça va. Salut YouTube, mardi 9 avril, il est 16h11, je suis rentrée de mon épilation sourcil, voilà, très très bien, je suis rentrée des ongles, j'adore, on a fait une base un petit peu plus foncée, je sais pas si tu te rendras bien compte, non, ça reste quand même hyper nude, mais elle est un tout petit peu plus foncée, ou peut-être un tout petit peu plus opaque, peut-être, je dirais ça, que les fois précédentes, et j'aime beaucoup. Bon, bah, j'ai fait les deux mains rigoureusement identiques. Voilà, j'aime énormément. J'espère que je vais le tenir, mais bon. La dernière fois, je t'ai déjà dit ça, et voilà. Mais là, j'ai pris rendez-vous pour dans 3 semaines. Donc, quasiment 2 semaines de moins, de doigts coupés, enfin, que cette fois-là. Donc, j'espère que ça va aller, mais j'aime beaucoup. J'ai déjà une idée pour ma prochaine pause en mai, et j'ai surtout une idée pour ma pause en juin, pour le mois des fiertés. Ça va être trop beau, trop hâte. J'espère qu'elle va arriver, enfin, je doute pas d'ailleurs qu'Elena arrive à le faire. Donc, sourcils, ensuite ongles, ensuite je suis pas chez chez Lidl. Je ne vais pas te montrer ce que j'ai acheté, parce que c'est plus ou moins comme d'habitude, des courgettes... Du fromage blanc, j'ai pris quoi d'autre? De la salade, des tomates cerises, du fromage râpé, une boîte de... pas coulis de tomates, enfin bref, on s'en fiche. Tout à l'heure, je vais faire des aubergines, j'ai acheté des aubergines, et je vais faire le dîner. Hier, chéri a fait des pâtes, hier il a fait donc cuire des pâtes, et on en a fait beaucoup, du coup j'ai mes pâtes pour la semaine, enfin pour la semaine, je sais pas, mais bref, il y aura du reste. Donc je vais pas faire de riz cette semaine, je vais faire une espèce de ratatouille, bon attention les puristes, en sueur, et surtout moi-même, je vais faire un affront à moi-même, parce que pour moi c'est sacré la ratatouille, vois-tu. La meilleure était quand même celle de ma grand-mère, mais bon, donc je vais tout simplement faire revenir dans mon cookéo des courgettes, des aubergines, j'ai acheté des aubergines que tu vois peut-être juste sous mon pouce là, des poivrons, et avec du coulis de tomate là, et puis du coup ça fera comme ça les légumes pour accompagner les pâtes, et je vais faire du poulet au four. Voilà, en papillote, là, tu sais, les trucs plastiques où tu mets les épices et tu fais cuire, voilà. Et pour répondre à la question de ma maubeugeoise préférée qui m'a demandé en commentaire sous mon dernier vlog, oui, effectivement, en fait, comment j'organise mes repas de la semaine, là, on parle pas du tout de rééquilibrage, quoique un petit peu aussi, mais en fait, du coup, pour gagner du temps, je cuisine le mardi, généralement, vu que je suis en congé, et je fais un gros plat. Donc, généralement, il y a des féculents, c'est-à-dire soit du riz, soit des pâtes, soit de la semoule, peu importe. Bref, des féculents que je fais en grande quantité et que je divise après dans des tupperware. Et je fais du coup des légumes avec une viande. Donc la viande, soit des boulettes par exemple que je fais au air fryer, ou du poulet que je fais au four, ou du bœuf haché que je fais mélanger avec mes légumes, etc. Dans mon cookéo, donc il y a généralement des légumes, de la viande.
Et c'est soit mexicain, enfin inspiration mexicaine avec des épices mexicaines, soit, comment ça s'appelle, asiatique, très souvent. Voilà, grosso modo, je fais ça et ça me fait en fait mes repas, en tout cas du midi. Comme ça, je mets dans des tubes, je mets au frigo et ça fait les repas pour le magasin. Le soir, généralement, je mange plus ou moins la même chose, parfois sans féculents, ou sinon avec une salade verte ou des tartines au four, tu vois, avec du pain complet, du fromage, tout ça, tout ça. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, tu sais tout. Et non, je me lasse pas, en fait, de manger tous les jours la même chose, parce que je préfère, en fait, manger tous les jours la même chose plutôt que de perdre du temps tous les soirs, tu vois, à cuisiner. Et puis j'ai pas l'inspiration pour faire plusieurs plats en fait en moindre quantité. J'admire ceux qui le font parce que moi rien que déjà de faire un truc ça me prend des heures. Donc voilà, pas le temps de cuisiner tous les soirs. Voilà voilà. Et puis le chéri, bah soit il mange la même chose que moi, soit il se fait des petits sandwichs ou il ramène des choses du boulot de son côté. Tu sais tout niveau organisation. Je vais te montrer par contre ce que j'ai trouvé, ce que j'ai acheté chez Lidl, parce que je me suis dit, des fois le soir, tu vois, quand j'ai quand même envie de manger slash besoin, on sait pas trop encore, et que parfois je peux craquer sur n'importe quoi, je me suis dit, n'achète pas n'importe quoi. Du coup, j'ai acheté du chocolat. Mais j'ai fait attention à ce que ce soit le moins calorique possible. Et bizarrement, oui et non, le moins calorique, c'était celui au caramel. Mais pas bizarre, parce qu'en fait, c'est 70% de cacao. Pour... Par portion de 12,5 grammes, c'est 68 kilocalories. Celui-là, à la fleur de sel, que j'adore, chocolat noir, fleur de sel, j'adore. Enfin, noir à moitié, hein. Parce que 56% de cacao, 71 calories, et lui c'est le plus calorique, amange, amande et écorce d'orange. Bref, voilà, je me suis acheté du chocolat, comme ça je mangerai quand j'en ai envie un ou deux petits carrés, et ça fera le petit truc voilà, qu'on a envie. J'ai craqué, par contre, parce que mon chéri adore ça, et moi aussi, même si rien qu'à les regarder, déjà tu prends 8 kilos, mais vu que c'est la fin du ramadan, il y a encore des pâtisseries orientales. Ce sont assortiments baklava, cacahuètes et amandes. Il les a déjà achetés plusieurs fois. Century, c'est trop trop bon. C'est trop trop bon. C'est trop trop bon. Et du coup, je pense que vendredi soir, on fera des wraps. Vu que je rentre du boulot à 21h. Pas envie de... Enfin, on va pas au resto. On dîne en famille samedi soir. Et je veux quelque chose de rapide à faire, donc on fera des wraps, je pense. Et j'ai acheté du coup des falafels. Voilà, et ça faisait un moment que je les avais pas vues chez Lidl. Elles sont très bonnes, enfin en tout cas moi je les aime beaucoup. C'est des falafels végétariennes, pois chiches, quinoa et coriandre. Donc ça dans une petite galette avec une petite tranche de fromage ou de mozza ou quoi que ce soit, ça sera très très bien. Voilà YouTube pour l'heure. Là je vais finir le tournage de ma vidéo que tu auras vue vendredi. Parce que on s'est préparé ensemble, tu as vu dans la salle de bain ce matin avant que je parte. Mais j'étais saoulé par le focus de l'appareil qui faisait mal. Enfin bref, ça m'a saoulé. Donc je suis un peu parti comme un voleur, tu vois. Donc il faut que je finisse de tourner cette vidéo. Et on se reprend certainement plus tard dans la journée pour l'ouverture d'aujourd'hui. Du calendrier, du 9 avril. Voilà. Parce que ma chatoune ne m'a pas encore donné l'indice. Et du coup, je vais avoir l'indice avant d'ouvrir. Ensuite, je ferai à manger. Et puis, je ferai le montage de la vidéo. Voilà, c'est une journée plutôt sympa qui sera terminée. Voilà. Je te dis à tout de suite, YouTube. Des bisous. Mouah. J'ai oublié de te dire, YouTube, depuis hier soir, je suis tombé par hasard un petit peu. En fait, parce que j'ai vu sur TikTok, sur la chaîne YouTube Légende, L-E-G-E-N-D. Il me semble que Lady Block en a parlé. Il me semble que Delphine en a parlé dans l'une de ses vidéos favoris. Parce que ça me disait quelque chose, en fait, quand je l'ai vu sur TikTok. Bref, c'est une chaîne YouTube, en fait, de documentaires, mais plus d'interviews, d'interactions. De Guillaume Play. Guillaume Play, c'est, je crois, de base un animateur radio qui a fait aussi un peu de télé. J'ai eu un peu de mal à accrocher avec lui et back in the day, hein, il y a genre 10 ans, quand il avait fait des émissions de télé, je le trouvais un peu vulgose, enfin, je m'aimais pas trop. Mais là, il m'a complètement emporté dans ses vidéos YouTube. J'en ai regardé plusieurs et là, je viens de finir. Enfin, hier soir et ce matin, avant de me préparer, un documentaire, plus ou moins, un documentaire interview qu'il a fait sur Auschwitz. Et il y a des témoignages de deux survivantes des camps dans cette vidéo. C'est. Voilà, franchement,
Je n'ai pas de mots face à l'horreur qui existe encore. D'une manière effectivement différente aujourd'hui, par contre c'est ignoble ce que l'homme est capable de faire. Du coup, si jamais vraiment les contenus un peu informatifs, documentaires, etc., interviews t'intéressent, je te conseille vraiment d'aller voir la chaîne. Si j'y pense, je mettrai en barre d'infos. Voilà, c'est Legend, L-E-G-E-N-D. Et cette vidéo là sur le documentaire Auschwitz, elle était extrêmement touchante et émouvante et voilà, c'est tout. Bon allez, cette fois, je te dis à tout à l'heure. Salut YouTube. Est-ce que je suis en train de regretter d'avoir mis ma casquette pour tourner la fin de la vidéo? Oui, parce qu'en fait, je me trouve mieux sans la casquette. 17h36, on va ouvrir le 9. Voilà, le 9 est écrit ici, absolument. Et l'indice que Alexandre vient de m'envoyer, c'est dépaysement olfactif. Par rapport à la forme, j'avais déjà une idée, je pense que ce sont des bâtonnets, du coup diffuseur d'ambiance bâtonnet de chez Ava & May. Et dépaysement olfactif, du coup ça doit être un truc de voyage à nouveau. Oh, trop bien! Donc c'est bien Ava & May, et ça sent trop bon déjà comme ça. C'est le Bahamas Sunset. Oh, ça sent vraiment bon. Donc on a les bâtons et le diffuseur. Attends, je vais essayer de l'ouvrir. Oh, ça sent trop trop bon. Pourquoi je chuchote, je sais pas. J'aime beaucoup. Je pense que c'est celui que je vais mettre après, ou alors je vais le garder pour cet été. Je sais pas, je vais réfléchir. Mais super, merci beaucoup. Petit point botanique. Avec pour l'instant la seule fleur de mon camélia qui a fleuri, mais il y a d'autres boutons et j'ai d'autres boutons et là aussi, mais bah tu vois, ils ont vachement souffert quand même. Là j'en ai un qui devrait fleurir dans pas longtemps. Il y a encore des pousses, donc j'espère que je l'ai sauvé, on verra bien. Mais tu vois, du coup il y avait des feuilles jaunes. Et je pense qu'il a pas... Mais il y a encore des jolies feuilles. Mais à part ça, il y a des jolies feuilles, hein, tu vois. Mais il s'est un peu déplumé, quoi. Quand même. Oh, je suis si triste. Je suis si triste. J'espère qu'il va tenir. Allez, on y croit, YouTube, on y croit. Bon, en même temps, c'est de ma faute. Hein. Je l'ai complètement ignoré cet hiver, comme je t'avais dit. Et je sais pas si l'hiver prochain... Là, tu sais, je l'avais tout bâché, entre guillemets. Mais il a pas fait finalement si froid que ça. Puis après, j'avoue, j'y pensais plus. mais je pense que l'hiver prochain, je vais bâcher juste le pot, en fait. Pour que la terre ne gèle pas, si je puis dire. Mais je le bâcherai pas en entier. On verra bien. Je croise les doigts pour qu'il soit encore là l'hiver prochain, en tout cas. J'ai mis ce que je t'ai montré, je crois, en tout début de vlog. J'ai fait ça lundi soir. Donc, on verra bien hein, ce que ça donne. Mais sinon, pardon, j'ai oublié de te dire... Nous sommes le mercredi 10 avril. Il ne faut pas non plus oublier de dire l'heure, il est 18h30. Salut YouTube, nous sommes le 11 avril, il est 19h04. Je sors du magasin une journée, mais vraiment extrêmement longue. Trop longue, trop longue. J'arrête de me dire. Pas grand monde, pour ne pas dire personne, sauf évidemment les dernières 10 minutes, tu vois. Où là, les gens se disent « Oulala, il veut fermer !» Alors que ça fait vraiment, sans mentir, je crois que ça fait depuis peut-être 16 heures que j'avais eu aucun client. Donc voilà. Voilà. Un peu. Cette semaine, elle est pas ouf hein, en termes de boulot. Enfin, en termes de performance, on va dire. Plutôt ça comme ça. Je rentre à la maison. Il fait beau. Ça, c'est cool. Un grand ciel... Presque bleu. Alors je sais pas ce que donnera le rendu couleur, parce qu'à chaque fois ça change un peu les couleurs avec mon téléphone, je sais pas pourquoi. Mais je suis presque bleu quand même, on est d'accord. Par contre ce temps, moi j'adore le printemps. Est-ce que chaque fois qu'on passe ici dans le parking, je te le dis, ouais c'est ça, je crois. Allez, on se retrouve tout de suite à la maison pour l'ouverture de mon cadeau calendrier de l'Avent d'hier, parce que je n'ai pas ouvert hier, et d'aujourd'hui. C'est l'avant-dernier, aujourd'hui du coup. Bah oui, parce que demain quoi. Salut YouTube, nous nous retrouvons donc à la maison avec le numéro 10.
Et le numéro 11. Est-ce que je suis déjà un peu nostalgique de pas avoir de cadeau samedi. C'est bon, je rigole. Pardon, l'indice. Tu vois, je dis des conneries et j'oublie la moitié de mon travail. L'indice, c'est rangement et déco perso. Est-ce que déco perso, ça veut dire que c'est toi, Chatoun, qui l'a fait? Ça a l'air d'être une boîte. Donc peut-être une boîte que c'est toi qui aurais fait, peut-être? Dont tu es la créatrice? Je dirais ça. Voyons voir. Un très très joli étui coffret avec une fermeture éclair. En espèce de... imitation comme ça, cuir grainé, je crois que ça s'appelle, noir. Rangement et déco perso, c'est quelque chose que tu as fabriqué toi? Oh! Mais en fait, c'est un étui à bijoux. Tu vois? Bah, c'est trop trop bien. Pour peut-être utiliser très très bientôt avec les trucs là pour mettre les boucles d'oreilles, etc. Très chouette. Et alors celle-ci, c'est magnifique, c'est trop trop beau. Tu connais YouTube, ma passion, déjà pour le motif pied de poule ou pied de coq, on ne saura jamais. Enfin, je ne saurai jamais. Et évidemment les camés, c'est très 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 joli sur une veste. Mais moi je te dis, hein, moi je peux mettre ça sur une veste en jean par exemple, rien à faire. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup, elle est canon, c'est trop trop beau. C'est super joli. Rangement et déco perso. Mais perso, ça veut dire que c'est toi qui l'as fait, Chatoun? Je vais te demander à part message. J'aime énormément. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et l'avant-dernier de cette longue aventure de 12 jours de cadeaux, le 11, voyage olfactif. Bon, bah, je pense qu'on a compris, YouTube, ce que c'était. C'est un bâtonnet, enfin, les bâtonnets diffuseurs, là, d'Ava and May, je pense. C'est très très bien scotché. On va essayer de pas faire de bêtises. Où est la cucu? Où est la tête? Où est le cucu? Tu vas me dire, je suis dans ma cuisine, je pourrais prendre un couteau. Hein, mais alors, où partons-nous? Ah, trop bien, Perse. Persia, j'ai déjà eu la bougie du coup à Noël. Oh, ça sent vraiment bon. Ah, c'est marrant, c'est pas du tout la même senteur que la bougie. J'aime beaucoup, c'est un petit peu agrume, etc. Agrumes végétales, j'aime beaucoup, très chouette. Ah mais attends, il y a des figues dessinées dessus, donc peut-être que c'est figues. Je confonds figues et agrumes. J'aime beaucoup, beaucoup. Est-ce que je vais te le montrer? Oh, très joli flacon en dégradé comme ça, effectivement, qui fait penser au coucher de soleil. C'est d'ailleurs le nom du produit, le Sunset, Persia Sunset. J'aime énormément. Et bon, encore un très très joli cadeau, beaucoup trop gâté, merci, merci, merci. J'ai rien d'autre à te raconter, YouTube, je pense que je te prendrai un tout petit peu demain avant d'aller au boulot. Voilà, et puis bah, je crois que c'est tout, hein. Je te fais des bisous. Mouah. Salut à toi YouTube, j'espère que tu vas bien, nous sommes le vendredi 12 avril. Merci, merci, merci. Merci, donc, spasiba, grazie mille, thank you, tout ça. Il est 13h30, je suis un tout petit peu sur le fil du rasoir niveau temps, donc j'ai pas vraiment le temps d'ouvrir le cadeau avec toi, je l'ai déjà ouvert, mon cadeau du bah, le dernier jour quoi, bref, pépite, j'étais sûr que c'était une bougie Bath & Body Works, parce que notre aventure a commencé comme ceci, avec Alex Dantus, et c'est effectivement une bougie Bath & Body Works, gâteau, un petit peu d'anniversaire quelque part, le parfum YouTube, laisse-moi te dire, c'est une pépite, caramel pumpkin, citrouille caramel crème fouettée, voilà, tout est dit. Donc merci vraiment du fond du cœur, ma chatoune. Sinon, je t'ai montré juste avant dans ce vlog ma fleur de camélia. Eh bien, aujourd'hui, elle est tombée. Voilà. Et bah, pour moi, c'est une manière de penser que là-haut, il y a quelqu'un qui a pensé à moi aujourd'hui. Si tu vois ce que je veux dire. Voilà, elle est tombée ici. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on a remis le banc hier, en fait.
Voilà, parce qu'on l'avait poussé ici, enfin bref. Donc voilà, ma fleur de camélia est venue me faire un coucou. Donc autant te dire que j'étais un peu triste qu'elle soit tombée, mais je préfère le prendre comme ça en me disant « Ok, c'est un signe, quelqu'un qui m'a envoyé un message. » Voilà. Sinon donc, je te conclue ce vlog vraiment sur le fil du rasoir, parce qu'il faut vraiment que je mette mes chaussettes, mes chaussures et que je parte au boulot. L'émoticône de la semaine, ça va être évidemment le gâteau d'anniversaire. Donc je t'attends en commentaire avec le gâteau d'anniversaire. Par contre, YouTube, j'ai quelque chose de très très important à te dire. Je suis d'une excitation non sans précédent parce que je vais à Disneyland, voilà, après demain, dans quelques jours. Mais avant, une grande et énorme rencontre de Nani et de Marie. Ah, je suis trop excitée, donc si jamais tu me suis sur Instagram, tu l'as déjà vu. Si tu ne me suis pas sur Instagram, tu l'as loupé. Mais je filmerai évidemment tout ça. Je pense que les filles vont filmer aussi. Donc ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Je me permets de te le dire parce que là c'est lundi et potentiellement t'as déjà vu les stories hier, tu vois. Donc c'est pas trop non plus bon. Et je crois que les filles en ont parlé dans leur vlog aussi. Bref, YouTube, je te laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que tu vas bien. On n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? Je te rappelle aussi que c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc c'est le moment ou jamais de t'abonner. Bébé, on y va. Bah c'est tout, j'ai plus rien à te dire. YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.